Nous allons faire une réunion cet après-midi au ministère de l'Agro-Industrie entre les bénéficiaires de VRS Medine de Palma, la MCIA et le représentant de la compagnie Medine. Et ce qui nous trouvait qu'il y a trois projets que Medine peut faire, un qui s'appelle Blueprint, qui trouve à Cascavel, et puis deux VRS, un qui trouve à Bambou et un qui trouve à Palma. Aujourd'hui, ce qu'il nous fait, c'est une séance d'explication le projet de Palma. Parce qu'il, définitivement, a découvert une certaine la cave, le site du morcellement, et que le président trouve un autre site pour les bénéficiaires qui est affecté par ça, la cave qui est trouvée au Medina. Alors, ce qui a souligné aujourd'hui, c'est l'esprit de coopération. Donc, il nous fait travailler en bénéficiaire, établissement, MCIA et ministère de l'Industrie. Les travaux pour continuer et nous rassurer les bénéficiaires, il y en a 118 en tout l'eau Palma, 115 l'eau Bambou et 107 l'eau Cascavel qui tout peut faire pour qu'ils terminent les trois projets les plus vite possible. En ordre de priorité, ce qui nous a trouvé, c'est que le site de Bambou est fini complété. Le prochain qui peut compléter, peut-être vers septembre de cette année-ci, c'est à Cascavel. Et Palma, la cause de ce problème de caverne là, c'est pour prendre un petit peu plus de temps, mais nous rassurer qu'il peut faire. Qu'il peut faire et dans les temps le plus vite possible. Le MCIA, il fait le maximum dans l'intérêt des bénéficiaires pour que le site développé d'après les normes qui ont l'autorité pour donner aux clients et aux PME. C'est le MCIA, initialement, pendant sa visite, qui trouve le tunnel ou le cave était là à l'est sur le site. Et avec collaboration du Medine et tout le monde de l'autorité, nous pouvons penser le plus vite possible, nous gagnons ça, l'état d'intent pour capable commencer l'infrastructure. Et il y a deux surveys extraits, comment nous dire, un extrait qui peut faire pour le terrain, qui peut faire par Medine, ce consultant, et puis le ministère concerné pour assister ce rapport-là. Et elle est là pour donner son clearance pour qu'elle commence l'infrastructure. On a une belle part aujourd'hui avec le ministre et le bénéficiaire. Donc, c'est un gré qui peut faire tous les trois morcellements, en l'occurrence le Blueprint à Cascavel qui pour pareil d'ici septembre. Le Bambou, nous finissons complètement les travaux et nous allons faire la cérémonie de remise très bientôt. Le Palma, malheureusement, finalement en retard. Et c'est regrettable, comme on a discuté, vous êtes un bénéficiaire, mais aujourd'hui, nous trouvons une solution à comment nous éloquer tout simplement l'eau qui est affectée. Et là, nous pouvons venir de l'avant maintenant et nous pouvons assurer nous tout le monde travaux faire un plus vite délai pour que ce bénéficiaire réussisse bien les autres d'ici l'année prochaine.